besoin d'une nouvelle tenue, étrangère ? Peu de gens peuvent faire ce que je fais. Je prépare une potion puissante de soin. Aloy, par ici. Je suis là. Comment on accède à la tour ? Ces sentiers nous y mèneront. T'as le choix. D'accord. Allons-y. Tu en sais beaucoup sur mon peuple, mais je ne sais presque rien de toi. Je ne sais même pas qui tu cherches à la montée de la lune. C'est un fugitif. Allez, tu ne peux rien me dire de plus. Essayons déjà d'atteindre la tour. Tellement de mystères. Je peux pirater des cornes filantes grâce aux données des creusets.
Une aile d'hydro. L'autre jour, j'ai vu la tour en abattre tout un groupe. Ces pauvres machines ont sombré dans l'océan au sud de la fin de la flotte. Ça, c'est nouveau. Il faut détruire cette tour. C'est comme une aile des lions, mais la crête sur sa tête est différente. Avant que la tour n'apparaisse, on les voyait souvent plonger au large. Tu penses vraiment affronter ces machines ? Ça ne sera pas facile. J'ai déjà vu pire. Vraiment ? Eh bien, je ne recule jamais devant un défi. Ça me va. Je peux tout affronter maintenant. Le plasma risque pas de lui faire de mal. Avantage tactique, ça me plaît.
va passer. Je dois juste rester discrète. On se rapproche de la tour. La dernière fois, je suis pas allée bien loin. On trouvera une solution. Je garde ça sur moi. Attention, va pas te faire griller les tresses. Plaisir en marchant.
chaleur est étouffante. Sorte d'excroissance de machine. J'avais jamais vu ça avant. Déjà vu dans ce cas. Oh ! Une machine en est sortie. Je m'attendais pas à ce que tu me laisses gérer. Encore des œufs. D'accord. Je suis sûre qu'ils n'étaient pas là la dernière fois. Je risque pas d'en manquer. Oh ! Ça fait beaucoup de... Ouais, j'ai l'impression qu'on va bientôt savoir qui les a pondus. On va s'approcher. On va devoir s'en occuper pour entrer dans la tour.
Voyons un peu ce que tu vaux. Vas-y, je t'attends. Et voilà le travail. C'est pas si terrible. Allez, lance-toi. Désolée, je devais vérifier un truc. Tu disais quelque chose avant mon départ ? Bref. Allez, l'entrée que j'ai trouvée est par là.
le prochain combat? Je dois prévenir nos patrouilles. Ce n'était sûrement pas la seule machine du genre. J'ai l'impression que chaque jour, il y a un nouveau truc qui essaie de nous tuer. Je connais ça. Par ici. Il va falloir traverser. Tu vas y arriver ? Tu vas voir. Allons-y. Je suis pas allée plus loin. J'ai pas trouvé de moyen de monter. Laisse-moi jeter un œil. Alors, je dois savoir à qui on a affaire. Ça ne peut pas être un hasard si mon peuple et lui sont à la montée de la Lune. Il s'appelle Walter Londra. C'est un zénith. Ce que les Quen appellent un ancêtre vivant. Un ancêtre vivant? Mais attends, ça voudrait dire qu'il a plusieurs siècles? Mais... Que la marée m'emporte. T'es sérieuse? Les autres Quen que j'ai croisés, ils m'ont reconnu. Je ressemble à une de vos ancêtres. Mais j'imagine que sans les devins, aucun membre de ton équipage n'a fait le lien. Oh. Oui. Ceux qui restent ne sont que des marins et des soldats. Après toi. Oh. Bon, voilà pour toi, Seika. Merci.
Tu peux ouvrir cette aération ? Je devrais réessayer quand je serai plus près. Si j'y vais au bon moment, je peux m'accrocher à l'aération. Elle vole, elle combat des machines, et elle a des gadgets. Si je t'avais rencontré plus tôt, je serais peut-être plus avancée. Tu dois avoir une place importante dans ta tribu. En fait, je suis une paria. Oh. Je suis désolée. Je suis mieux sans eux. Et de ce que j'ai vu au campement, tu serais peut-être mieux seule aussi. J'appartiens au peuple élu. Je ne suis pas une marine lâche qui quitte le navire quand la mer s'emballe. Bon. Oublions ça. T'es de retour ? Allons-y. De ruines depuis les tests d'endurance de la marine. Tu escaladais des ruines pour t'entraîner ? Oh ouais. Chaque fois qu'on pensait avoir fini, ma commandante criait « Encore un étage !» Heureusement que t'avais pas le vertige. Joli raccourci. Je vais trouver un autre chemin. Je crois qu'on approche du sommet. On va trouver comment désactiver cette tour. On dirait que la tour a trouvé une autre cible. La tour a abattu une autre machine. J'ai hâte de la désactiver. Et voilà, c'est bon. On dirait vraiment l'œuvre de Londra. Wow. D'accord. Mais comment on l'arrête, vu qu'une partie est tout en haut ? Faisons un peu le tour. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière ? J'avais jamais rien vu de pareil. Mais il doit y avoir un moyen de l'arrêter. Hip!
T'as quelque chose? Peut-être. C'est peut-être une sorte de nœud d'accès. À l'œil. J'espère sincèrement que la tour t'a plu. Je l'ai préparée juste pour toi. Oh, génial. Un enregistrement de longueur. Parce que, contrairement à mes collègues, j'ai toujours une longueur d'avance. Ça sent pas bon. Il se prépare à tirer. Vite, à l'abri! Chance que ce truc t'ait pas abattu. Je m'en suis sortie. Maintenant, ta machine va nous amener à la montée de la lune, non? Ouais. Je l'ai vue s'envoler quand je me suis écrasée. Je peux la rappeler. Je suis un peu plus près de retrouver ma sœur, et aussi l'ancêtre vivant que tu recherches. Mais je devrais peut-être aller faire mon rapport à l'amiral pour lui apprendre que nous avons avancé. D'accord. Je te retrouve au campement, alors. Tu sais, je suis contente que tu sois venue. Seika n'est pas comme les autres Quen. Ça, c'est sûr. Et maintenant que la tour est neutralisée, je devrais explorer la zone avant de retrouver Seika. Et me réapprovisionner, tant que j'y suis. Et voilà, de retour dans l'univers.
Je vais trouver un endroit pour appeler.